Comment exciter une femme? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. En premier point, il y a l'excitation physique, c'est-à-dire ça va être tout ce qui est bisous, tout ce qui est câlin, tout ce qui est assez charnel en fait. Il y a deux types de femmes, il y a des femmes qui préfèrent la douceur, un mec doux, câlin, attentionné, qui va vraiment être calme et y aller doucement. Et il y a d'autres femmes qui préfèrent les hommes qui vont être très dominants. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont attendre que l'homme montre que c'est lui l'homme et qu'il fasse beaucoup de choses, plus dans l'agressivité. Plus... Ça peut être par exemple de lui bander les yeux, d'être un peu plus brusque dans la manière de faire. Ou de la soumettre, il y a des femmes qui aiment ça, qu'on la soumet et que l'homme fasse tout. Si votre partenaire aime ça, n'hésitez pas à faire les choses qu'elle aime avec elle. Et si c'est une femme qui est plutôt dans la douceur, je vous conseillerais des petits câlins, des massages, des petits bisous tranquilles petit à petit en descendant petit à petit. Ce qui peut aussi exciter une femme, c'est les massages sensuels, avec de l'huile, dans le calme, avec une petite musique, des caresses. Les caresses, c'est très important, ça peut être à tous les niveaux du corps, mais si c'est bien fait, c'est fait avec douceur et amour, ça peut donner du plaisir à une femme. Prenez votre temps, les hommes. Allez, faites des préliminaires sans trop aller vite. Souvent, vous avez tendance à faire des préliminaires pendant quelques minutes, puis direct lui sauter dessus. Il y a des femmes qui préfèrent des longs préliminaires où il y a beaucoup d'excitation et après c'est le feu, comme on dit. Prenez votre temps et allez-y doucement. Autre chose aussi, vous pouvez l'embrasser langoureusement, la caresser en même temps, vous coller à elle un petit peu plus en vous rapprochant. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas avec elle, par exemple, lui envoyer des petits SMS mignons, des petits trucs à caractère un peu sexuel qui font comprendre les choses, etc. Ça peut faire rêver la femme, la faire rêver dans son esprit et ça peut lui donner des idées justement. Et là, elle aura encore plus envie de vous en vous retrouvant. Si vous êtes avec elle aussi, les femmes, elles aiment bien qu'on les regarde dans les yeux, qu'on montre qu'on est là pour elles, qu'on est attiré par elles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le regard. Donc n'hésitez pas à la regarder. Très important aussi pour les hommes, prenez soin de vous, rasez-vous. Rasez-vous la barbe, rasez-vous les cheveux, tout comme elle aime, mettez du parfum. Mais sinon, ce que je vous conseillerais en dernier le plus, c'est vraiment toucher-la sensuellement, caresser-la. C'est vraiment ça qui va donner du désir à une femme. Bien sûr, il faut que ça soit pareil des deux côtés, il faut que la femme aussi fasse plaisir à son homme, mais... Une femme, généralement, elle sera plus dans l'attente qu'un homme vienne et montre qu'il est là, quoi. Ça peut être lui toucher les bras, les jambes en descendant petit à petit, ça peut être les cheveux pendant que vous l'embrassez, etc. Il y a plein de choses à faire aussi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous en voulez d'autres sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à mettre des pouces bleus. À bientôt!